la surconsommation d'huile moteur. Il s'agit de l'un des problèmes les plus fréquemment rencontrés par de nombreux conducteurs de voitures à moteur thermique. Tous se posent les mêmes questions. Quelles peuvent en être les causes? Et quels sont les symptômes associés à chacune d'entre elles? Avant de les lister, faisons un bref retour sur les raisons pour lesquelles un moteur à combustion interne réclame de l'huile pour fonctionner. Arbre à cames, bielles, pistons, paliers, coussinets. À l'intérieur d'un moteur, nombreuses sont les pièces mobiles en glissement relatif les unes par rapport aux autres. Pour éviter la surchauffe, puis le blocage, voire la destruction de celles-ci, il est nécessaire de les lubrifier. L'huile servant à la lubrification des pièces mécaniques en mouvement à l'intérieur d'un moteur est contenue dans un réservoir appelé carter, placé dans la partie basse de ce dernier. Elle est pompée depuis ce réservoir par un organe nommé pompe à huile. La pompe à huile aspire l'huile par l'intermédiaire d'un tuyau, puis la met en pression. Ceci permet la circulation du lubrifiant dans l'ensemble du moteur grâce à un réseau de canaux dédiés. Le premier organe que traverse l'huile est le filtre à huile. La fonction de cette pièce est de retenir les multiples débris et particules transportés par l'huile. Ces polluants peuvent être issus soit de l'extérieur du moteur, soit générés par les frottements des pièces en mouvement à l'intérieur de celui-ci. L'huile purifiée est ensuite distribuée à toutes les pièces mobiles. Il faut maintenant comprendre que l'ensemble du circuit d'huile fonctionne sous une pression supérieure à la pression atmosphérique. Effet de la pompe à huile bien sûr, mais aussi de la hausse de la température de l'huile durant le fonctionnement du moteur. Pour éviter que le fluide lubrifiant ne soit rapidement consumé par le moteur, une étanchéité relative est maintenue entre le circuit d'huile et la chambre de combustion. Cette fonction est dévolue aux pièces suivantes. Tout d'abord, les joints de queue de soupape interdisant le passage de l'huile depuis la culasse. Pour comprendre à quoi servent ces pièces, il faut se pencher sur le rôle et le fonctionnement des soupapes. Le contrôle du flux des gaz à l'intérieur du cylindre se fait grâce à l'ouverture et à la fermeture des soupapes. Pour rappel, il existe deux types de soupapes dans un moteur à combustion interne. Les soupapes d'admission dont le rôle est de permettre à l'air de pénétrer à l'intérieur de la chambre de combustion et les soupapes d'échappement qui permettent aux gaz brûlés d'être évacués. L'ouverture des soupapes est opérée par une came solidaire d'un arbre en rotation appelée arbre à came. La fermeture de la soupape est généralement dévolue à un ressort. Le joint de queue de soupape entoure la partie tige de la soupape. Durant le fonctionnement du moteur, la soupape monte et descend sous l'action des arbres à cames. Le joint étant fixe, il s'ensuit un coulissement de la tige de soupape à l'intérieur du joint. La partie haute des soupapes, débouchant dans la culasse, étant arrosée par l'huile moteur sous pression, la fonction du joint de queue de soupape est d'éviter que l'huile présente dans la partie culasse ne se retrouve aspirée à travers les conduits d'admission ou d'échappement. Cependant, il doit tout de même laisser passer une très faible quantité d'huile de manière à assurer la lubrification des guides de tige de soupape. Deuxième organe chargé de l'étanchéité relative entre le carter d'huile et les cylindres, le joint de culasse. Cette pièce se place entre la culasse et le bloc moteur. Son rôle est de garantir l'étanchéité entre chacun des conduits transportant les différents gaz et fluides nécessaires au bon fonctionnement du moteur. Et finalement, les derniers éléments permettant d'éviter que le moteur ne consomme trop d'huile sont les segments. Il s'agit d'anneaux fabriqués dans un matériau de type acier à ressort. Ils s'insèrent dans des gorges taillées autour du piston. Glissant sur les parois du cylindre durant les phases de montée et descente de ce dernier, ils permettent d'éviter que l'huile présente dans le carter ne pénètre dans le cylindre par ses parois. Malgré l'utilisation de toutes ces pièces, la perfection n'existant pas sur Terre, il est illusoire de s'attendre à ce que l'étanchéité d'un moteur soit parfaite. La plupart des constructeurs communiquent donc des valeurs de consommation maximale d'huile pour chacun des véhicules qu'ils commercialisent. À titre d'exemple, le manuel d'utilisation de cette Mercedes-Benz 55 AMG mentionne une consommation d'huile pouvant atteindre 0,8 litres pour 1000 km parcourus, et voire même plus si le moteur est neuf ou en cas de conduite sportive.
La consommation d'huile d'un moteur n'est donc préoccupante que lorsqu'elle dépasse les spécifications constructeurs. Voyons maintenant quelles peuvent en être les raisons. Première d'entre elles, les dommages subis par les pièces formant le cylindre et la segmentation. Les voici détaillés. Tout d'abord, les parois du cylindre peuvent présenter une usure de surface due à la friction constante des segments. S'ensuit une augmentation du diamètre de la chambre de combustion. De leur côté, les segments finissent également par subir une usure de surface en raison de leur friction contre les cylindres. Et l'écart entre les pièces augmentant, l'étanchéité relative s'en trouve diminuée d'autant. Fatigue thermique. Tout au long de la vie du véhicule, les cycles thermiques répétés de chauffe et de refroidissement font apparaître un phénomène peu connu du public, la fatigue thermique. Le mécanisme est le suivant. Lorsqu'un matériau métallique est chauffé, il se produit un phénomène d'extension que l'on nomme dilatation. Lorsqu'il est refroidi, à l'inverse, il se contracte. Chaque changement de dimension a pour effet la création de contraintes mécaniques à l'échelle microscopique à l'intérieur et à la surface du métal. Avec le temps et la multiplication des cycles de dilatation-rétractation, ces contraintes internes finissent par créer des fissures. Sont particulièrement concernées les pièces subissant les plus fortes températures, à savoir les têtes de piston, les segments, voire les parois de cylindre ou chemise. Usure par cavitation. Dans le cas de moteurs générant beaucoup de chaleur, un phénomène connu sous le nom de cavitation peut être observé dans le circuit de refroidissement. Il s'agit de la formation et l'implosion brutale et anarchique de bulles de gaz. Une onde de choc localisée est alors émise. Lorsque la cavitation se produit aux abords des chemises, celles-ci subissent de fortes contraintes mécaniques. Une érosion locale s'ensuit. Dans les cas extrêmes, celle-ci peut aller jusqu'au percement des chemises. Phénomène provoquant en série le passage de l'huile moteur vers le circuit de refroidissement. Autre raison pour laquelle l'huile moteur peut entrer dans la chambre de combustion, une rupture du joint de culasse. Si la fissure apparaît entre l'un des canaux de transfert d'huile et le cylindre, le moteur se met alors à aspirer de l'huile durant la descente du piston. Le symptôme caractéristique d'un joint de culasse cassé à cet endroit précis est une fumée bleue dégagée à l'échappement de manière continuelle. Si une fissure apparaît entre l'un des canaux de transfert d'huile et un canal où circule le liquide de refroidissement, l'huile s'échappe vers ce deuxième circuit. Le symptôme caractéristique d'un joint de culasse cassé à cet endroit précis est de la mayonnaise se formant dans le circuit de refroidissement. Si la fissure apparaît entre l'un des canaux de transfert d'huile et l'extérieur, une fuite d'huile externe au moteur est alors visible. Usure par contamination. La fonction du filtre à air est d'assurer une alimentation en air la plus saine possible au moteur en retenant les impuretés présentes dans l'air ambiant. L'utilisation d'un filtre à air non spécifié par le constructeur ou encore de mauvaise qualité peut avoir pour effet le passage de poussière et autres contaminants dans les cylindres. Si ces épisodes sont répétés ou prolongés, des dommages tels que des cylindres rayés et segments endommagés peuvent être observés. Outre une consommation d'huile en hausse, les symptômes d'une segmentation fatiguée, d'une tête de piston fissurée ou de chemise endommagée peuvent être les suivants. Fumée de couleur généralement bleue ou plus rarement noire à l'échappement, dont le volume augmente durant les franges d'accélération. Une perte de compression des cylindres affectés peut également être observée dans certains cas. La prise de compression par un garage spécialisé est l'une des premières étapes du diagnostic. Si celles-ci sont bonnes mais que le véhicule fume, une vérification de l'état interne du cylindre par sonde d'inspection peut être tentée. Mais la seule solution fiable restera souvent le démontage pur et simple du moteur pour inspection poussée. Sur les moteurs consommant de l'huile de manière excessive, un autre point d'entrée peut également être observé. Il s'agit des joints de queue de soupape. Première cause de ce type de défaillance.
Bien que différentes technologies cohabitent, les joints de queue de soupape sont composés d'éléments fabriqués dans des matériaux de type polymère et servant à l'étanchéité effective du joint. Les matières utilisées sont soit du polytétrafluoroéthylène, encore connu sous le nom de Teflon, soit de l'EPDM, un caoutchouc monomère, soit des caoutchoucs fluorés connus entre autres sous les dénominations GBLT ou GFLT. Ces matériaux, choisis pour leur grande résistance aux hydrocarbures, possèdent, comme tous les polymères, une durée de vie nominale. Et ce, d'autant plus qu'ils sont exposés régulièrement aux fortes températures que peut atteindre l'huile moteur. Si le moteur de votre auto est âgé ou s'il est fortement kilométré, la dérive naturelle des propriétés des polymères composant les joints de queue de soupape peut donc induire une hausse de la consommation d'huile moteur. Deuxième cause de destruction prématurée des joints de queue de soupape. Négligence dans le choix de l'huile ou les vidanges. Dépasser les intervalles de vidange préconisés ou utiliser un filtre à huile de mauvaise qualité a systématiquement l'effet suivant. La saleté, les particules de poussière et les résidus de combustion que charrie l'huile mal filtrée peuvent s'accumuler entre la tige de soupape et les joints de queue de soupape, entraînant leur usure prématurée. Outre une consommation d'huile augmentant, le symptôme typique de joints de queue de soupape défectueux est le suivant. Après de longues périodes d'arrêt, au moment du démarrage du moteur, une fumée bleue est expulsée à l'échappement, puis plus rien ensuite. La cause, durant la période de repos du moteur, l'huile en contact avec les soupapes et les ressorts de soupape, coulant le long des tiges, passant graduellement à travers le joint défectueux, s'accumule doucement dans le cylindre. Et est donc brûlée au démarrage du moteur. Il se peut également que durant la phase de démarrage, le moteur tout saute ou ait du mal à prendre ses tours tant que toute l'huile accumulée n'est pas brûlée. Autre symptôme, une fumée bleue à l'échappement peut également être observée lors de la descente d'une longue côte, le pied hors de l'accélérateur. La raison, le boîtier papillon étant fermé durant cette période et le moteur tournant à vitesse supérieure au ralenti, le niveau de dépression augmente dans l'admission. Si un ou plusieurs joints de queue de soupape d'admission sont défectueux, l'huile va être aspirée, entrer dans la chambre de combustion et y être brûlée, provoquant un nuage de fumée bleue. Dans le cas de joints de soupape défectueux, seul un démontage de ceux-ci permet de s'en assurer. Autre cause de consommation excessive d'huile, un turbocompresseur défectueux. Rappelons que la fonction du turbocompresseur est de permettre une suralimentation en air du moteur. Le principe de fonctionnement est le suivant. Il s'agit d'un ensemble de deux turbines coaxiales enfermées dans des cavités non communicantes. La roue de la première turbine est entraînée par les gaz d'échappement du moteur. Un arbre permet de transmettre le mouvement de rotation à la roue de la seconde turbine. Celle-ci est alimentée en air frais. Cet air est compressé grâce au mouvement de la roue de la deuxième turbine, puis envoyé dans les conduits d'admission du moteur. L'ensemble des composants en rotation tourne sur palier dédié. La grande majorité des paliers utilisés par les constructeurs tournent sur un film d'huile moteur. Lorsque les pièces mobiles à l'intérieur du turbo se mettent en rotation, l'huile est entraînée entre les paliers, créant un film permettant de réduire la friction entre les surfaces en contact et donc de dissiper la chaleur générée par les frottements. Les paliers du turbocompresseur, qu'ils soient lisses ou à roulement, sont soumis à des contraintes mécaniques élevées en raison de la rotation rapide des roues du turbo. Ces contraintes peuvent entraîner une usure des paliers, voire de l'arbre central. Lorsque l'usure des paliers ou le balourd des roues de turbine deviennent trop importants, cela peut entraîner des fuites d'huile interne au turbo, provoquant par effet de levier une hausse de la consommation en huile du moteur. Dernière raison de la constatation d'une consommation d'huile excessive entre deux vidanges, l'apparition de fuites d'huile externe au moteur. Les pièces défectueuses pouvant être à l'origine de ce problème étant tellement nombreuses et les scénarios étant tellement dépendants de la configuration du moteur, il nous sera impossible ici de lister toutes les causes racines de ces fuites. Le processus de recherche de fuite est toutefois toujours le même. Tout d'abord, effectuer un nettoyage minutieux de tout le groupe motopropulseur, rouler avec le véhicule durant quelques jours,
et finalement procéder à une inspection visuelle détaillée des points de fuite potentiels. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.